Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, enfin on peut remettre les maillots, il fait beau à Paris. Regardez, il y a qui derrière, vous voyez dans le trou là. Donc là, dans une première partie de vidéo, oh là là, ça avance. C'est pas bien de faire des vidéos en conduisant, faut être un professionnel comme moi, t'as capté. Moi, vu que je suis un professionnel, eh ben, je peux le faire. Mais en vrai, il y a des bouchons de malade. Donc c'est pour ça que je m'autorise à le faire, sinon jamais de la vie. Là, on va aller dans un nouveau magasin pour trouver des beaux habits, un petit survêtement pour moi et des petites baskets pour Myriam pour l'école, je pense, parce que bientôt on n'aura plus le droit d'aller au magasin. Un kawaii aussi pour moi. Un kawaii, tu veux? Je crois c'est qui? Non, je rigole, vas-y. C'est quoi? C'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que je viens ici, la famille, ils ont tout refait. Regardez, c'est stylé, hein. Il y a boulanger, il y a une allée là-bas, comme en vacances. On va aller regarder. Regarde là-bas. Il y a quoi? Ah, la grosse abeille là. Il y a McDo ici. T'as dit quoi? Il y a McDo ici. Écoute-moi bien, t'es ma petite sœur. Mmh. McDo, ce n'est pas de la bouffe, c'est dégueulasse. Quand tu vas manger, tu vas dans un restaurant ou dans un truc où ils font des trucs maison. Ok? Ok. Ok, ok. Ah ouais, c'est stylé, glace à l'italienne. Ah ouais? Tu veux une glace, hein? Tu veux une glace, on n'y pardonnera pas. Non, je rigole. On va regarder. Ah, c'est l'Intersport. T'as vu, je suis venu au hasard et j'ai réussi. Regardez. T'es content? On dirait qu'on est en 15 heures. Regarde maman ce qu'ils ont fait, tu sais que ma mère elle va regarder. Là il y a des petites terrasses, tu prends une petite glace, la petite fontaine. J'ai grave envie d'y aller dedans. Vas-y va. Non je vais pas. Bon on va aller voir Intersport s'il y a des trucs bien. Là c'est quoi? Ah celle-là c'est un truc de coiffure. Et là-bas il y a... Là-bas il y a encore des... Tu sais que tu peux même t'allonger là. Hein. Allonge-toi. Non c'est stylé ce qu'ils ont fait en ça. C'est pas mal. On dirait que t'es en vacances hein. Bah c'est parti, on va découvrir ensemble. Ah bah ils sont là les survêtements. Faut que tu me trouves un bon survêtement s'il te plaît. Pour aller à la salle. Genre Adidas comme ça tu vois, mais en bien. Pas en flingué comme ça. Je m'en trouve un bien. Tu veux quelle matière? Je veux la matière. T'as vu celui que j'ai à la maison, il est craqué sur mon genou. Ouais. Genre cette matière, non j'aime pas. Genre une bonne matière, s'il te plaît. On va faire un petit tour. Là on a les capas. Ouais, fais un petit tour. Derrière, il y a encore des survêtements. Vas-y, mais c'est toi qui me paye. Non, c'est pas moi. Pourquoi? Si t'aurais... Si t'aurais de l'argent, tu m'aurais payé. Genre, plus de 200 euros, ça t'aurait pas dérangé. Ah, là, un tu peu. Te re... Crevard. Donc, je vais prendre celui-là. Et j'en ai pris deux parce qu'en fait, il y a moins 50%. Ça veut dire que celui-là, il coûte 30... Il coûte combien? Il coûte 44 euros et le deuxième, il a 20 euros. Donc tu vas payer va. Tout ça? Bah ça fait 60 euros pour les deux en vrai ça. Tu va. Vas payer? Ouais je vais payer, t'inquiète. Avant d'aller au basket, il y a mon tonton qui cherchait ça. Je vais lui prendre je pense. Il cherchait le nouveau Haut de Paris. Étonnamment que je suis une... Enfin, je suis une professionnelle de basket donc... Je lui prends? Ouais. Vas-y go. On est arrivé. Franchement il est super beau le nouveau Intersport. Hein. Regardez toutes les baskets qu'il y a. Vraiment c'est incroyable. Et regardez déjà mes baskets comment ils sont. Toi t'aimes bien Adidas? Ouais. Vas-y, on va voir c'est quoi tes goûts. Il y a toutes sortes de baskets. Là, c'est moi, tout... j'ai exactement les mêmes que ceux-là, sauf que c'est comme ça. Ouais, mais là, c'est garçon, la fille, c'est au fond là-bas. Okay. Tu vois les couleurs roses? Ah ouais. C'est là-bas pour les filles. Mais en tout cas, c'est... je suis choqué. Toutes les paires qu'il y a pour les enfants. On a trouvé une paire, une petite paire d'Air Max. La galère. Pour trouver des paires à sa taille, c'est une galère. Et celle-là, elle passe crème. Alors? Elle est super belle en tout cas. Essaye, regarde. Ça va. Tape une pointe pour voir. Comment? Tu cours quoi. Comme ça qu'on teste des baskets. Dans la récréation, elle va courir. Alors? Alors? Ça va. On les prend? Vas-y. A few moments later. On va manger où alors? Au restaurant. Au restaurant? Et après, on peut prendre une glace à l'italienne. On va rester là jusqu'à 16h ou quoi? On va aller trouver un restaurant. Moi j'ai pas trouvé de restaurant mais j'ai trouvé ça. Une petite boulangerie, je pense qu'ils font. Tu veux prendre quoi? Une part de pizza aussi. Ouais, tu prends une part de pizza, un dessert ça va? Ouais. On va regarder ce qu'il y a. Oh. Il y a des gâteaux. Oh, chocolat. Ton dessert à mon avis ça va être. Sûr que tu vas prendre un brownie au fond. Bon let's go, on a pris la commande. Vas-y déballe hein. Pour enlever ton masque aussi pour manger. Oui. Il n'y avait pas de restaurant, vous avez dit, c'est que des magasins en gros. Et du coup, bah t'inquiète pas, je vais te mettre bien. Un petit Pepsi chacal, un petit dessert chacal. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien?
T'es sûr? Ouvre dedans. S'il a oublié, je vais chercher, c'est pas grave. En tout cas, c'est incroyable. Après, on va faire une petite partie de dames. Et il y a que le sandwich. De quoi? Il y a que le sandwich, il n'y a pas de cookies. Bon, on va aller chercher après. Il nous a carotté un petit dessert. Vas-y, goûte. Eh, t'as oublié de dire le mot magique? J'ai cru que t'allais oublier. Si t'oublies, il y a le job, il mange avec toi. Dites-moi une gueule. Après, on pourra faire un dame géant là-bas, tu peux déplacer les plumes. Ouais, moi, vous connaissez, je mange rien, j'ai pas trop faim, j'ai mangé tard ce matin. Et du coup, là, on fait une petite sortie avec Myriam, parce que cette année, pas de vacances à mon avis, vu qu'avec le pass sanitaire de... Pas insulté, mais il n'y a pas de vacances, tout est fermé. Donc on fait des petites sorties. Et puis voilà, dommage, c'est pas grave, on ira en vacances quand on pourra. Mais là, on serait déjà en Turquie. On sera en Turquie, là, non? Myriam, arrête de sauter dans la piscine, elle est froide, viens, on va manger. Deuxième leçon, là, tu bois du Pepsi. Le Pepsi, ce n'est pas bon, c'est du poison, ok? C'est que du sucre. Non, mais je te parle vraiment. C'est occasionnel, ok? Oui, après, je vais pas trop tard. Ouais, tu vas pas, c'est de temps en temps. Ah, les petits, faut les éduquer un peu. Regarde le méga crawl. Ça fait 10 minutes, vous pensez qu'elle a tout mangé, à votre avis? Eh ben non. Une tortue ninja, celle-là. C'est même pas joué. Regardez. Tu sais comment on joue? Vas-y, go. 1 hour later. Tu vois où? Je vois Yacine. Pourquoi? Non, s'il te plaît, vraiment, arrête. Il va me casser la... Putain. Arrête, s'il te plaît, le montre pas. Arrête, ça va faire une embrouille, j'ai pas une embrouille avec lui. Mais viens alors. Putain. Salut Yacine, on est sorti. Oui, t'es où? C'est pas vrai, c'était nul. Non, on a été au magasin, c'était comme les vacances. Regarde ce que j'ai acheté. Pourquoi on n'avait pas attendu? Tu dors, frère, tu dormais. Mais on n'aurait pas allé maintenant. Bah non, on a voulu aller... Mais c'était grave nul. Dis-lui, Myriam, comment c'était traîné. En plus, on n'a même pas mangé, on n'a rien c'était fait. C'était pas nul, on a mangé. On a mangé des tacos. Sans moi. C'était pas des tacos. Si, c'était des tacos. Mais pourquoi vous allez toujours sans moi? En plus, il a acheté des survêtements. Tais-toi, mais Smahali, c'est quoi ça? Ouais, je crée des emmerdes. Non, en vrai, Yacine, c'est juste pour comme ça. Parce que t'as vu, il y a le pass sanitaire, on pourra plus sortir. Ah, le pass sanitaire aussi, non? Bien. Wow. Tu viens de te lever? Non, je viens pas me lever. T'es levé depuis? Ah, désolé, je savais pas. Moi, il m'a appelé comme ça, je joue à Fortnite. Je peux pas, Myriam, je l'ai aidé. Ouais, tu l'as énervé, voilà. Viens, on descend, on va faire autre chose. J'ai dit, il fallait pas. Vas-y, avance. On va jouer au basket. On va en vacances. T'as voulu jouer à ça, aller sans moi, au magasin? C'est pas moi, c'est Younes. Bah là, tu vas faire des devoirs pour la peine, alors qu'on est en vacances. Oh. Lis-moi ça. Ce texte-là, je déteste les requins. Requins. C'est quoi le bon mot? Celui-là. Ouais, continue. On est sorti un peu. Et on leur montre les fruits. Attends, si je pouvais, je les aurais mangés, regardez. Mais ça se mange, j'ai des abricots. Ils ont une. Attends, celle-là, là. Ouais, prends-en une. C'est fait pour manger, hein, Smahali. Fais voir. Waouh, elle est super belle, on va la manger après. Regardez, venez voir ici encore. Il y a des pommes. Machallah, la création des dieux, c'est incroyable. Prends une bonne pomme mûre. Une bonne pomme mûre. Là, il y en a une derrière, viens ici à gauche, ouais. À gauche. Là, là. Celle-là, là? Ouais. Quoi, toi, tu goûtes quoi? Vas-y, teste l'abricot. Toi, teste d'abord. Dis bismillah et mange. Bismillah. C'est pas grave bon. Si, toi, tu testes. T'as pas mangé, vas-y. Si je te bats, tu m'offres un nouveau géant coquin. Elle est grave éclatée. J'espère que ça vous aura plu la famille. Myriam, vous avez vu en ce moment, elle a fait un peu passer sur YouTube vu qu'on est au mois de juillet, on part pas en vacances, il n'y a rien à faire. Donc comme elle est souvent avec nous, on essaie de faire passer un petit peu le temps, lui faire passer des bons moments, tout ça. Mais à partir du mois d'août, voilà, je pense qu'elle passera plus trop parce que ça va reprendre l'école et j'ai pas envie que tout le monde la reconnaisse à l'école, tout ça. Ça va être trop lourd pour elle. Nous, on va vous laisser là, bombarder la part des pouces bleus si vous voulez qu'elle fasse une dernière petite vidéo. Je pense que ça va lui faire plaisir. Ciao.